Clap, offering to Jesus of avec Nazareth. Le cri de victoire, we shout of victory. Avec le cri de rédemption, Jésus. We shout of redemption. Avec le cri de rachat, Jésus. We shout of redemption. Avec le cri de la jeunesse. With the shout of the Jésus de Nazareth. Merci. Thank you. Je suis béni. I am blessed. Tu es béni. You are blessed. Aucun démon ne peut voler ta gloire. No demon can steal your glory. C'est toi qui peux jeter ça par terre. You are the one who can throw it down. C'est toi qui peux mépriser ta gloire comme quelqu'un l'a méprisé en méprisant le droit de naissance. You are the one who can despise your glory as somebody despised it by despising the birthright. Et en vendant ce droit pour de la nourriture. And by selling that birthright for food. L'enseignement que nous allons recevoir. The teaching we are going to receive fait partie des conseils de Dieu. Is part of the advice of God donné pour rendre sage chacun d'entre nous. Given in order to make each one of us wise. Afin que personne ne perde son héritage. So that no one shall lose his inheritance. Après l'avoir acquis gracieusement. After des mains du grand roi. After acquiring it graciously from the hands of the great king. Tu es béni. You are blessed. Je suis béni. I am blessed. Nous sommes bénis. We are blessed. La Bible dit que nous sommes déjà bénis. The Bible says that we are already blessed. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. With all kind of spiritual blessings in heavenly realms. Tout ce qu'il nous faut. All that we need, c'est des conseils pour grandir, pour demeurer et grandir dans la bénédiction. Is advice for us to remain and grow in that blessing. Grandir. Grow dans la bénédiction. In the blessing. En demeurant dans la bénédiction. By abiding in the blessing. Le thème, the topic, sort d'un conseil que Paul donne à son fils spirituel. Stems from an advice of Paul to his spiritual son. Paul parle à son fils spirituel. He's speaking to his spiritual son, Timothy. Et il lui dit, and he tells him, fuis les passions de la jeunesse. Flee the youthful desires. Fuis les passions de la jeunesse. Flee the youthful desires.
Alléluia. Praise the Lord. Pourquoi? Why? Parce que Paul. Because Paul est en train de bâtir son fils. Is building his son up. Afin qu'il soit un vainqueur dans tous les combats spirituels. For him to become an overcomer in all the spiritual warfares. Afin qu'il soit un modèle. For him to become a model. Dans l'église et dans la société. In the church and in society. Il lui donne toutes sortes de conseils. He gives him all kind of advice. Ces conseils. These advice. Nous réalisons. We realize que tous ceux qui croient, that all those who believe, et tous ceux qui servent Dieu, and all those who serve God, ou qui veulent le servir, or who wants to serve him, ont besoin de ces conseils. Need that advice. Donc c'est des conseils so aux croyants ambitieux. Of an ambitious believer. Ce sont des conseils. These are the advice aux hommes conscients de leur appel. To people who are aware of their call. Aux gens conscients de leur élection. People who are aware of their election. Ce ne sont pas des conseils aux païens pour qu'ils se convertissent. These advice are not advice to unbelievers for them to get converted. C'est un autre niveau de conversion étant déjà dans la course. It is another level of conversion being in the race already. Parce que la vie chrétienne, because Christian life, est une course, is a race, c'est un pèlerinage, it's a pilgrimage, c'est comme un examen. It's just like an exam. On peut utiliser beaucoup de figures pour désigner la vie chrétienne. We can use a lot of symbols to beaucoup design, d'images, a lot of images to talk about the spiritual life, the Christian life. L'apôtre parle ici comme parlant d'un grand malheur, un grand danger. The apostle is speaking here as talking about a great danger. Il utilise les mots forts. He uses strong words. Fuis. Flee. Il ne dit même pas résiste. He does not even talk about resisting. Les croyants sont habitués au terme combat, résiste. Believers are used to terminologies like warfare, resist. Tiens ferme. Stand fast. Ici. Here. On ne te dit pas tiens ferme. They don't tell you stand fast. On ne te dit pas résiste. They don't tell you to resist. On te dit pas combat. They don't talk to you about warfare. On te dit fuis. They say flee. Fuis. Flee. Fuis. Flee. Les passions de la jeunesse. The youthful passions. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Fuis. Flee. Les passions de la jeunesse. The passions of the youth. Une passion, c'est quoi? What is a passion? C'est un sentiment. It is a feeling. On dit en philosophie que la passion est un sentiment qui devance l'amour. It is said in philosophy that passion is a feeling that is ahead of love. L'amour est déjà ce qu'on dit l'amour en aveugle. Love is already that which people say that the love makes blind. Donc s'il y a un sentiment, so if there is a feeling qui dépasse l'amour, that is beyond, c'est-à-dire qui devance l'amour, love that is beyond love, ce sentiment est très dangereux. That feeling is very dangerous. Parce qu'il peut nous emballer. Because it can wrap us up. Sans résistance. Without any resistance. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ce sentiment nous permet de nous engager. That feeling allows us to be committed. À manifester un enthousiasme. To manifest an enthusiasm. Une dévotion. A devotion. Nous permet de développer des motivations internes. It can lead us to develop internal motivations. Et les objets. And the object. Sur lesquels porte notre passion. On which our passions are. Sont comme des objets qui ont gagné notre passion. Are like objects that have won our passions. Et on peut
identifier notre passion par le nom de ces objets-là. And we can identify our passion through the names of those objects. Si c'est la musique, if it is music, on ne dira plus que tu aimes la musique, on dit que c'est sa passion. We will no longer say that you love music, we say that it is your passion. Donc, on désigne la musique pour qualifier ce sentiment qui t'habite. So, music is used to refer to that feeling that abides in you. Le sentiment de cette passion modifie ta marche. The feeling of that passion modifies your walk. Ça te dompte. This tames you. Ça t'accroche. You are hung to it. Donc c'est dangereux. So it is therefore dangerous. Il faut fuir seulement. You must only flee. Faut pas dire j'ai réfléchi dessus. Do not fuis say that. Seulement. Do not say that I'm thinking about it. Just flee. Il faut entendre ici cette volonté de te détacher, de détacher ton affection pour la ramener à Jésus et aux choses de Jésus. You must understand here that will to detach your passion from that thing to bring it to Jesus. Les choses comme des passions sont des grands pièges. Things like passions are great snares. C'est des gros pièges. These are great traps, big traps. Tu peux trouver des gens en train de discuter. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est interdit? You can find young men saying that, or arguing, say that, is it a sin? Is it forbidden? Is la, it la vérité. The truth. C'est que aucune chose terrestre. Is that no earthly thing. Ne doit être l'objet de notre passion. Must be the object of our passion. Si nos cœurs sont ouverts. If our hearts are open. Et nos oreilles. And our ears. Tu comprends que le message est fini. You understand that the message is over. Si on continue là, c'est pour expliquer. If we continue, it will be for a deeper and explanation. On ne doit pas te supplier. We must not beg you. D'enlever ton cœur. To remove your heart. D'enlever ta passion. To remove your passion. Des choses de ce monde. From the things of this world. Pour en avoir que des choses célestes. In order to have only things that are heavenly. C'est-à-dire ta passion. That is your passion. Doit être sur les choses terrestres. Must be grown, célestes, pardon. Must be led to heavenly things. Quelqu'un lise pour nous 2 Timothée 2, verset 22. Let somebody read for us 2 Timothy 2, verse 22. Ta passion, your passion, doit se porter, doit se diriger, must be led uniquement sur les choses célestes, must be only led, les choses d'en haut, comme dit l'apôtre, to things from above or heavenly things, as the apostle says. 2 Timothée chapitre 2, le verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice. Écoutez. Listen. Fuis les passions de la jeunesse. Flee youthful passions. Et qu'est-ce que tu vas faire? And what are you going to do then? Écoute. Listen. Et recherche. And seek. La justice. Et recherche. And seek. La justice. Righteousness. La foi. La foi. Faith. La charité. La charité. Love. La paix. La paix. Peace. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. With those who call upon the Lord with out of a pure heart. La justice. Righteousness. La charité. Charity. La foi, la paix. Faith and peace. Avec ceux qui sont vrais. With those who are true. Ceux qui sont
assis sur la saine et sainte doctrine. Those who are grounded in the holy doctrine. Tu ne chômes pas. You are not vacant. Rien que ça, ça prend toute ta vie. Only this thing alone takes all your life. Rechercher la justice. Seeking righteousness. Travailler. Working pour que tu sois vrai. For you to be true. Vrai avec toi-même. With yourself. Vrai envers le voisin, le frère. True with toward the neighbor, des enfants, the brother, tes enfants, your children, ton mari, your husband, ou ton épouse, or your wife, pour être vrai. For you to be true dans les transactions. In the transactions, pour être juste. To be just. C'est une passion pour certains. It's a passion for some. Quand les choses sont correctes, il est ému, ils sont contents. When things are correct, they are moved, they are happy. C'est ce que tu dois devenir. This is what you should become. Ému. Moved. Par la justice. By righteousness. Quand tu médites, tu te poses les questions, comment grandir dans la vérité. When you meditate, you ask questions to yourself about how to grow in truth. Comment demeurer dans la grâce? How to abide in the grace? Quelqu'un qui ment ici, il ment là-bas, il dit j'ai 25 ans ici, il dit là-bas j'ai 10 ans, il ment. Somebody who lies here and lies there, he said here he says I'm 25 years old, and the other somewhere else he said I'm 10 years old. He keeps lying and he steals. Il n'a aucune passion pour les choses d'en haut. He has no passion for the things from above. À l'école, il triche. At school, he cheats. À la maison, il vole la nourriture. At home, he steals food. Il peut se lever la nuit, à minuit, il vole, il mange, il se cache, il mange. He can stand up at midnight and hide himself to eat. S'il a des amis, s'il a un peu d'argent, il cache. If he has a bit of money, he hides. Il ne veut pas partager avec les autres. He doesn't want to share with the others. Quand les autres achètent, il partage, il est content. When the others buy and they share, il y a l'amour, il y a l'amour fraternel. This is brotherly love. Mais pour lui, but as for him, il change de quartier pour aller manger à Cheke dans un autre quartier où il n'est pas connu. He goes to another neighborhood to eat at Cheke there where he's not known. Sa passion pour la nourriture, his passion for food, est telle qu'il devient aveugle. Is such that he becomes blind. Il est en Christ, il ne sait pas que ce qu'il fait là est grave. He is in Christ and he doesn't know that what he's doing is serious. Il est aveugle. He is blind. La passion tue la raison. Passion kills reason. Ça rend insensible à la rationalité. He makes you insensitive to what is rational. La passion fait qu'on méprise les bons conseils. The passion can lead you to despise good advice. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quand tu lis les deux lettres de Paul à Timothée, when you read the two letters of Paul to Timothy, tu remarqueras que Paul a donné une liste des caractères, des vertus qu'un homme doit avoir avant de chercher à être dirigeant d'une église. You see that Paul gave a list of character or virtue that a man must have before seeking to become a leader. Une sorte de portrait robot. A sort of robot portrait. Ce que tu dois être. That which you must be. Pour être dirigeant. To become a leader. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Quand Paul dit les passions de la jeunesse, when Paul says the passions of the youth, il s'agit de tout ce qui attire les jeunes. It concerns all that attract people. Les habits, l'immoralité, la boisson, les boîtes de nuit, le sport, la musique, etc. Clubs, immorality, alcohol, nightclubs, sport, etc. and etc. Il y a une vérité. There's a truth. Il y a dans le monde. There is in the world. Les gens qu'on appelle les influenceurs.
people that are called influencers. Quand tu vis selon les passions de la jeunesse, when you live according to the passions of the youth, tu n'auras pas de tendance personnelle. You will not have personal tendencies. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Il y a des gens, there are people, qui travaillent, who work, pour présenter au monde les choses qu'ils doivent consommer. To present to the world the things that they must consume. Les musiques qu'ils doivent écouter. The music that they must listen to. Et ils donnent une valeur. And they give a value. Même si c'est des choses banales, ils donnent une valeur à ces choses-là. Even though they are trivial things, they give a value to those things. Ils créent une communication qui méprise ce qui s'éloigne de ces choses-là. They create a communication that despises those who depart from those things. Ils le font de telle sorte que pour être heureux et tranquille, tu dois entrer dans la danse. And they do it in such a way that for you to be at rest, you must get into that stream. Si les journalistes décident maintenant que un homme sera ballon d'or, if the journalist, journalist decides now that a man should be a golden ball, s'il marque, même s'il rate un but, on va dire comment il a bien raté ce but-là. Que personne n'a jamais raté le but comme lui vient de rater. Even though he misses a goal, they will talk about how he misses that, he missed that goal in a good manner, as in such a way that we'll see that no one else has ever missed a goal that like that. S'il marque alors là, les gens ne dorment plus. But if he scores the goal, in this case, people will not even see. Tu vas te retrouver en train de chercher à lire quelque chose sur cet homme-là. You will find yourself reading something about that man. Quand il doit jouer, on fait un tapage dans le monde, il joue lundi prochain. And when he has to play, they talk about it everywhere in the world that it will be next Monday. Et on parle de lui, And they talk and talk about him. On dit que toute l'équipe vient contre lui. They say that the entire team is coming against him. Si tu ne le connais pas, Tom, tu as honte. If you don't know him, you yourself will be ashamed. Après, and after, tu commences à l'aimer. And you start loving him. Quand on acclame, quand il marche, toi aussi, tu te surprends en train de dire, ouais, j'ai ça. When people clap after a goal that he has scored, you also find yourself clapping, saying, doing the same thing. Après, tu te retrouves en train de regarder tous ses matchs. And after you find yourself watching all his matches. And tu commences à échouer aux examens. And you start failing your exam. Parce que ça prend du temps. Because it takes time. Tu commences à t'éloigner des Écritures, la Bible. You start getting far away from the Scriptures, the Bible. Ta passion, your passion prend tout ton temps. Takes all your time. Inutile de t'enseigner sur comment on lit la Bible, comment on étudie la Bible. Useless to talk to teach you how to read and study the Bible. Parce que tu n'auras même pas le temps. Because you will not even have time for that. Il y a même des jeunes qui ne sont pas venus à ce camp parce qu'ils sont engagés quelque part dans certaines choses du monde. There are even some young men who didn't come to that camp because they are committed in some of the things somewhere in the world. Tu peux aimer la musique. You can love music. Et en avoir la passion. And have and feel passionate. Au point de dormir avec les écouteurs dans tes oreilles, tu te couches, tu écoutes la musique dans ton sommeil. To the point of sleeping with earbuds in your ears and listening to the music even while you are sleeping. Ne dis pas que c'est chrétien. Do not say that it is Christian. La mélodie peut être une mélodie d'une chanson du monde. The melody qu'un chrétien a arrangé. The melody can be the melody of the worldly song that a Christian has arranged. Dès que tu écoutes cette mélodie là, as soon as you listen to that melody, ce n'est même plus les paroles de Dieu que tu écoutes, mais ce n'est que la mélodie. It's no longer the word of God that you listen to, but it's only the melody. Tout ce qu'on appelle passion,
all that is named passion. Que ce soit le sport, la musique, la peinture. Be it sport, music, and painting. Le péché, l'immoralité, les boîtes de nuit. Sin of immorality and nightclubs. Tout ce qu'on appelle passion de la jeunesse. All that is called passion of the youth. Il faut fuir, t'en éloigner. You must get far away from them. Les influenceurs créent des modes. Influencers create passions. Et ce sont ces modes-là qui dirigent les sentiments. And it is those passions that lead the feelings. Toute la jeunesse. The entire youth. Les passions ne sont pas les choses cachées qu'il faut mettre des loupes pour les découvrir. Non. Passions are not things that are hidden that you should put on some glasses to discover them. Ça se raconte. People talk about it. Ça se vit. And people live it. Tu vois un jeune homme qui marche. Même sa démarche, c'est quelque chose qu'on a fabriqué, collé en lui. You see a young man walking, even the way he's walking, you can feel, you can realize that it's something that has been fabricated and stuck on him. Innocent, viens nous montrer comment tu marchais quand tu buvais l'alcool. Come and show us how you used to walk when you were drinking alcohol. Quelqu'un peut croire que ce sont des choses qui tombent du ciel. Somebody can believe, can think that these are things. Pour that toi, ça va t'amuser, mais lui, il pensait qu'il est fort. Things that were coming from. C'était sa passion. Above, but for you, he's joking. But for him, he thought that he was strong. It was his passion. Donne-lui un micro. Give him a microphone. Il n'y a pas de micro. Gloire à Dieu. En fait, à cette époque, j'étais encore adolescent. Nous marchions dans la ville comme si le ciel et la terre nous appartenaient. At that time, we were still adolescents or teenagers, and we were walking as if heaven and earth belonged to us. Et au départ, la première démarche était comme ça. In the beginning, the first walking was like this. Comme un Goldorak. As a Goldorak. À un moment donné, at a certain time, on a changé la démarche. We changed our way of walking. Quand on marchait dans la ville, when we were walking in the city, c'était comme ça. It was like this. Dégage là. Get away. Jésus est puissant. Acclamé Jesus pour le Seigneur. Is mighty. C'était sa passion. This was his passion. L'une his des passions. Passion. One of his passions. Il y avait l'alcool dedans. There was alcohol in it. Tout ce que les jeunes aiment là. All that young men love. Ça veut dire qu'il veut montrer qu'il est fort. Il faut quitter parce qu'il arrive. It means that he wants to show that he's strong, that you have to clear off because he's coming. Ne commets pas l'erreur de dire que tu n'as pas de passion. Do not make the mistake, commit the mistake saying that you don't have any passion. En tant que jeune. As a young man. Sois vrai. Be true. Mais fuis. But flee. C'est la sagesse. This is wisdom. En d'autres termes, c'est arrête. In other words, it is stop. Avec violence. With violence. Ne dis pas, Seigneur, viens me délivrer. Do not say, oh Lord, come and deliver me. Fuis. Flee. Vous voyez, il n'a pas fait ça pendant un mois. C'est au moins un an, deux ans. He did not do it for maybe 1 month, for 2 months. It's at least 1 year, 2 years. Jésus est entré. Jesus entered. À cause de ces choses-là, certains jeunes ne donnent pas leur vie à Jésus. Because of these things, some young men do not give their life to Jesus.
Parce que quand vous êtes déjà deux, trois qui marchez comme ça. Because when you are already two, three, who work like this? C'est la guerre. Pour quitter. For you to get out of this. Tu te rends compte que c'était un piège. You realize that it was a snare. Tu ne voulais pas adorer le diable. You didn't want to worship the devil. Tu voulais seulement marcher comme ça. You just wanted to walk like that. Maintenant, and then ton cœur s'endurcit. Your heart becomes disheartened. Le nombre de personnes qui marchent comme toi augmente. And the number of people who walk like you increases. Tu es dans un piège. You are in a trap. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Toutes les convoitises. All the covetousness, sont des passions, the desires are passions qu'il faut arrêter. That you must stop. Si tu n'arrêtes pas, if you don't stop, tu vas te retrouver enchaîné par le péché et les démons. You will find yourself enchained by sins and demons. Tu es dans un piège. You are in a trap. Si on te dit que tu vas causer avec le diable un jour et tu vas servir Satan, tu diras non, je ne peux pas. If they tell you that one day you will speak with the devil and you will be serving Satan, you say no, me, I can't. La vérité c'est que the truth is that si tu poursuis les passions de la jeunesse, if you pursue the youthful passions, tu vas tomber dans des pièges du diable. You will fall in the traps of the devil. Tu vas tomber dans des pièges. You will fall in the traps of the devil. C'est une machine démoniaque. If it's a demonic machine. Le monde que nous voyons est une machine du péché. The world that you see is an engine of sin. Avec plusieurs acteurs. With many actors. Même les faux prophètes sont dedans. Even the false prophets are in it. Vous savez, you know, quand Jésus parlait du salut des âmes, when Jesus was talking about the salvation of souls, on verra ça d'ici à demain, and we'll see it from now to tomorrow, il disait, he said, qu'il faut choisir la porte qui est étroite. That you must choose the way, that the pathway that is narrow. Qu'il ne faut pas entrer là où tout le monde veut entrer, où ça ne coûte pas cher. That you should not get in through the pathway where everybody would like to take, which is not costly. Il dit, les gens aiment le chemin qui est vaste, large. He says that people love the way that is large. Et spacieux. And, I mean, beaucoup empruntent ce chemin-là. Large. Many take that way. Mais il a dit, méfiez-vous des faux prophètes. And but he said, beware of false prophets. Pour conclure ce propos, il a dit, méfiez-vous des faux prophètes. To conclude his word, he said, beware of false prophets. Parce que dans Jérémie 23, because in Jeremiah 23, il dit qu'il y a des faux prophètes qui disent aux gens, il ne vous arrivera aucun mal. He said that there are false prophets who tell people, nothing will befall you. Et ils disent à ceux qui me méprisent, il ne vous arrivera aucun mal. They say to those who despise me, no evil will befall you. Et il dit, s'ils avaient assisté à mon conseil, and he said that if they had taken part into my counsel, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple, they would have made my people hear my word, et l'aider à revenir de leur mauvaise voie, and help them come back from their evil ways. Il dit, je ne les ai pas envoyés. He said, I didn't send them. Ils ont couru. They ran. Je ne les ai pas envoyés. I didn't send them. Il a dit, he said, ils prophétisent les visions de leur cœur. They prophesy the visions of their heart. Tu peux trouver une dénomination. You can find a denomination. Où le dirigeant aime le monde. Where, in which the leader loves the world. Et tout ce qui est dans le monde. And all that is in the world. Et il enseigne ça à tous ses membres. And he teaches this to all his members. Et ils peuvent même mépriser. Si tu vis dans la sainteté, on se moque même de toi. They can even despise you. If you live in holiness, they mock you. Pourquoi? Why? Les faux bergers sont parmi les influenceurs. False shepherds are among the influencers. Nous-mêmes. We ourselves. Nous. Oui, les vrais enfants de Dieu. The genuine children of God. Nous sommes les grands influenceurs. We are great influencers. Acclamez. Clap.
Nous proposons au monde un modèle de vie. We propose to the world a model of life. Que nous exaltons. That we exalt. Que nous chantons. That we sing. Qui est dans nos récits. Which are in our recitals. Dans nos causeries. In our chattings. Nous ne nous amusons pas. We are not joking. Nous mettons même le jeûne et la prière dedans. We put even fasting and prayer. Nous changeons les villages. We change villages. Nous pouvons arriver quelque part, les gens commencent à brûler les idoles. When we went somewhere, people started burning the idols. Nous changeons les comportements des gens. We change the behaviors of men. Par le message que Jésus nous a donné. Through by the message that Jesus gave us. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. He said, you are the light of the world. Vous êtes le sel de la terre. You are the salt of the earth. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que je suis un jeune chrétien. That I am a young Christian. Un vrai enfant de Dieu. A genuine child of God. Je suis un influenceur saint. I am a holy influencer. Un influenceur saint. A holy influencer. Pour changer les comportements des gens. To change the behaviors of people. Et les amener à être les imitateurs de Jésus. Bring them to become imitators of Jesus. Et en tant que tel, and as such, je ne peux pas abandonner ce trésor. I cannot abandon that treasure. Pour accepter l'influence du monde. To accept the influence of the world. Pour tomber sous les influenceurs malsains et démoniaques. And fall on demonic and evil influences. Que quelques personnes viennent prier que nous ne chômons pas. Let some people come and pray that we are not vacant. Nous devons poursuivre. We must pursue la justice, the righteousness, la charité, charity, la foi, faith, la paix, love, avec les vrais croyants. Peace with genuine believers. Et nous-mêmes, nous changeons le monde. And we ourselves, we change the world. Nous ne devons pas abandonner ce poste glorieux pour aller nous soumettre à la musique mondaine, boisson, aux vêtements. We will not abandon this glorious position to go and submit ourselves to alcohol and worldly music and clothing. Yes. Seigneur, notre Père et notre Dieu, je te bénis, Seigneur, pour cette parole. Je dis oui, Seigneur, pour le poste que tu me donnes. Je suis un influenceur saint. J'ai du travail, je ne suis pas un chômeur. Je change les villages, je change les comportements des gens. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à devenir ce modèle que tu veux, au nom de Jésus. Amen. Je confesse que ta parole est vraie, Seigneur. Je suis un influenceur saint, mandaté pour imposer la vie de Dieu à l'humanité, pour imposer la vie de Christ aux hommes, dans les nations, les villes, les villages, les campements, les hameaux. Je n'abandonnerai jamais ce poste glorieux, cet appel saint et glorieux, pour aller me soumettre à la mondanité. Seigneur, je prie au Dieu que tu me bénisses, que tu bénisses chacun de nous, que chacun reçoive cette révélation et s'établisse de façon ferme et victorieuse dans cet appel. Que notre jeunesse s'établisse, que nos adolescents s'établissent dans cet appel glorieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ce message. Merci de me rappeler que tu m'as donné un message. Ce message qui transforme les vies, qui amène les vies à se déporter vers toi, Seigneur, à contempler ta gloire. Seigneur, je dis oui. Oui pour porter ce message. Je refuse, Seigneur, de m'en détourner. Je m'engage à être cet influenceur qui va amener les gens, Seigneur, à se tourner vers toi, à abandonner leur manière de penser, les vaines manières de penser du monde, pour regarder à toi, Seigneur, pour se soumettre à ta Seigneurie. Oh Seigneur, pendant que tu parles, je prie que chacun de nous se saisisse de cette occasion pour s'établir dans cet appel. Oh Seigneur, que tu lui as donné afin d'être cet influenceur
qui partout où il sera, va révolutionner son environnement, va amener la multitude à porter les regards vers toi, contempler les choses du ciel. Fais-le pour chacun de nous. Fais-le pour la jeunesse. Fais-le pour les anciens. Fais-le, Seigneur, pour chaque dirigeant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Merci parce que tu as permis que je sois influencé. Influencé de manière à être détourné du monde, de ma famille, de mes passions. Je te bénis, Seigneur, pour la grâce que tu m'as faite. En m'élevant au rang des influenceurs saints, je suis fier, Seigneur. Oh, je suis fier, Seigneur. Je suis fier, Seigneur. Je suis fier, Seigneur. Oh, je suis fier, Seigneur. Oh, d'être ce que tu m'as fait, Seigneur. Je prie, oh Dieu. Je prie, Seigneur, que rien dans ce monde, rien en moi, rien dans le présent, le futur, ne m'amène à baisser les bras, jamais baisser les bras. Parce que je suis appelée à influencer, je suis appelée à influencer, je suis appelée à influencer le monde, à influencer chacun pour l'amener à être comme Jésus. Je te bénis parce qu'il est possible, Seigneur, de demeurer et de grandir comme Jésus et de pouvoir influencer l'humanité. Je te bénis, Seigneur. Et je prie ce jour pour dire, Seigneur, que c'est frais, c'est rafraîchi, c'est renouvelé. Je m'engage, Seigneur, plus qu'hier, à vivre pour influencer, à vivre pour impacter, à vivre pour que tu aies un grand troupeau, un grand camp, le monde entier. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Lis pour nous 2 Timothée 1, verset 13. Read for us 2 Timothy 1, verse 13. 2 Timothée, chapitre 1, le verset 13. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Amen. Deuxième lecture. Second reading. 2 Timothée, chapitre 1, le verset 13. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. 2 Timothée, chapitre 1, reading verse 13. What you have heard from me, keep as the pattern of sound teaching, with faith and love in Christ Jesus. Amen. Alleluia. Praise the Lord. Il y a un prix à payer. There's a price to pay. Ce n'est pas n'importe qui peut influencer quelqu'un ou un milieu. It's not just anybody who can influence somebody or influence his entourage. Le frère disait que les gens ne suivent pas ceux qui ne sont pas extravagants. The brother Zach used to say that people do not follow those who are not extravagant. Si tu es fou, if you are mad, et sérieusement fou, and seriously mad, les gens vont te suivre. People will follow you. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si tu crées une danse, if you create, un style de danse maintenant, if you create a dancing style right now, et quand il y a la foule, and there is the crowd, tu danses de toutes tes forces, you dance with all your strength, un jour, one day, les gens vont danser comme toi. People will dance like you.
pour influencer, ce n'est pas quelqu'un qui se lève et tombe, il se lève et tombe, qui dit, je suis en train d'influencer les gens, non. For you to influence, it's not somebody who falls and rises up. No, you cannot influence. Même la manière de lire la Bible. Even the way of read, the way you read the Bible. Doit être la manière d'un conquérant. Must be the manner, the way of an overcomer. A conqueror. Je dis pas que tu lis beaucoup. C'est-à-dire la manière de pénétrer. Quand nous étions au lycée, un professeur disait, lis ça entre les lignes. And when we were in high school, a teacher used to tell us, read it between the lines. Et l'apôtre Jacques dit, il faut plonger le regard. And Apostle James said that you must deep your eyes. Tu peux lire 100 chapitres sans plonger le regard dans les chapitres. You can read 100 chapters without dipping your eyes in the chapters. De telle sorte que quand quelqu'un viendra lire, expliquer le verset que tu as lu, tu te demandes si vous avez la même Bible. In such a way that when somebody will be coming to explain the verses that you read, you will just ask yourself if you have the same Bible. Quand le frère a prêché, when Brother Zach was preaching, j'ai regardé ses mouvements, son visage, ses yeux. I used to watch his movements, his face, his eyes. Pour saisir l'ampleur de la communication qu'il libérait. To lay hold of the magnitude of the communication that he was releasing. La Bible dit, des gens, il dit, tu as ouvert mes oreilles pour écouter comme écoutent les disciples. He said that the Bible says that you opened my ears to listen as disciples listened to. Le disciple, the disciple, sait très bien écouter. Knows how to listen well, very well. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il faut te poser la question, les gens qui craignaient Dieu. Explique ce verset de quelle manière? You should ask yourself the question, those who fear God, in which way do they explain this verse? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Les gens qui craignent Dieu, comment explique-t-il ce verset biblique? Those who fear God, how do they explain this Bible verse? Pourquoi tu aimes seulement la version des témoins de Jéhovah? Why do you only love the version of the Jehovah Witnesses? Les témoins de Jéhovah disent qu'il n'y a pas d'esprit. The Jehovah Witnesses said that there's no spirit. Il y a un verset que le Seigneur vous préserve l'être tout entier, esprit, âme et corps. Quand il lit ce verset, il met entre parenthèses les âmes sœurs. There's a verse. Parce qu'ils sont coincés. Tu as dit qu'il n'y a pas esprit, âme et corps. Maintenant, la Bible dit qu'il y a esprit, âme et corps. Quand il arrive là, il met entre parenthèses les âmes qui sont vos sœurs. And when they get to the verse that says the spirit, the body, and the soul, when they get to that point, they say, the souls that are your sisters, your brothers. Il dit, Jésus n'est pas Dieu. They say that Jesus is not God. Il dit, quand ils arrivent devant le verset qui dit, mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. When I get to that verse that says, my Lord is my God, they say, my Lord is my God. Non, ce n'est pas comme ça. C'est Jésus est le Seigneur et Dieu. No, he said, no, it's not like this. It's Jesus is the Lord. Est-ce que nous sommes God. Are we together? Il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas perdre le salut. There are people who say that we cannot lose salvation. Et la Bible dit,
And the Bible says, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, ou bien sauvera son âme. The one who endures to the end will be saved his soul. Ils sont coincés. They are stuck. Non, il y a, on peut perdre le salut. No, we can lose the salvation. Et celui qui persévère dans les persécutions, les tentations, jusqu'à la fin, sera sauvé. And the one who endures in persecution, in temptation, up to the end, will be saved. Il a reçu le salut. He has received the salvation. Et il a protégé son salut. And he protected his salvation. Il y a un relis, verset 13. Read verse 13 again. 2 Timothée chapitre 1, le verset 13. Retiens dans la foi. Retiens dans la foi. Keep in the faith. Et dans la charité qui est en Jésus-Christ. Et dans la charité qui est en Jésus-Christ. And in the love that is in Jesus Christ. Le modèle des saintes paroles. Le modèle des saintes paroles. The model of the holy words. Que tu as reçu de moi. Que tu as reçu de moi. That you received from me. Ne perds jamais. Never lose. Ce que Paul te disait quand il expliquait comment on doit être justifié, par exemple. What Paul was telling you when he was explaining how to be justified. Il dit que personne ne vienne te perdre le temps que va te faire circoncire, va te faire circoncire. He said that let no one come and waste your time telling you go and be circumcised. Il dit enseigne aux gens. He said, teach men que s'ils ont reçu Jésus de Nazareth, that if they have received the Jesus of Nazareth, ils n'ont plus besoin de sacrifice. They no longer need sacrifice. Et que si quelqu'un vit dans le péché, and that if somebody lives in sin, même s'il est circoncis, even though he is circumcised, il ira dans le lac de feu. He will go into the lake of fire. Voilà le modèle des Écritures que je te donne. And this is the model of the scriptures that I give you. Philippiens chapitre 4, verset 9. Read Philippians chapter 4, verse 9. Philippiens chapitre 4, le verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Deuxième lecture. Second reading. Philippians chapter 4, reading verse 9. Verse de, en français, deuxième lecture. Second reading in French. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Philippians chapter 4, reading verse 9. Whatever you've learned or received, or heard from me, or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Amen. Voilà des règles de base. Here are the basic rules. Tu as reçu certaines choses. You have received something. Tu as vu certaines choses. You have seen something. Tu as appris certaines choses. You have learned some of the things. Va pratiquer ça. Go and practice it. Donc l'oreille, les yeux. So the eyes, the ears. L'expérience. Experience. Sont très importants. Are very important. Pour grandir, pour influencer, pour changer la vie des hommes. In order to grow, to influence the lives of people. Bouleverser leurs coutumes. To overturn the customs. Les amener à jeter les idoles dans le feu. Lead them or bring them to cast the idols into the fire. Et amener les prostituées à se repentir. And bring prostitutes to repent. Et arrêter la prostitution. And stop prostitution. If we are a model d'éducation publique. There's a model of Bible education and behavior que tu dois connaître. That you must know. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together?
Lis encore 1 Timothée. Read 1 Timothy. Lis chapitre 1 verset 12, chapitre 4 verset 12. Chapter 4 verse 12. 1 Timothée chapitre 4 le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Amen. Reprends. Take it again. Écoutez très bien. Listen carefully. Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Let no one despise your youth. Mais sois un modèle pour les fidèles. Mais sois un modèle pour les fidèles. But be a model for the believers. En parole. En parole. In word. En conduite. En conduite. In behavior, in conduct. En charité. En charité. In love. En foi. En foi. In faith. En pureté. En pureté. And in purity. Si tu veux influencer, conquérir, if you want to influence and conquer, présenter à Jésus des hommes sauvés, to present to Jesus people who are saved, il y a un prix à payer. There's a price to pay. Je vous ai dit que dans la notion d'influenceur, ce ne sont pas, c'est pas n'importe qui influence. I told you that in the notion of influencer, it's not just anybody that influences. C'est des experts. They are experts qui imposent un modèle, une vision du monde. Who impose a model, a vision of the world. Et ça modifie les tendances. And this modifies the trends. Ça modifie les comportements. And this modifies the behaviors. Ce qu'ils veulent que tu boives, tu vas boire ça. If they, that which they want you to drink, you will be drinking it. S'ils veulent que tu fumes une nouvelle cigarette, tu vas le faire. If they want you to smoke a new cigarette, you will do it. Ils peuvent même organiser un concours. They can even organize a contest. Celui qui remporte le prix est celui qui s'est conformé à leur vision. The one who gets the prize is the one who complied to the vision. Et dès que tu as un prix dans un domaine, tu deviens un repère. And as soon as you have a prize in a domain, you become an expert. Un modèle. A model. Quand tu passes, les gens disent c'est lui qui a remporté le prix. When you are passing by, people will say that there he is coming. Les autres, même tes jolis habits propres là, les gens ne regardent même plus. For the others, even your clean clothes, people do not even watch at. On regarde le petit bandit du quartier qui marche désormais comme ça. They watch as a small robber in the neighborhood who walks like this. Le lauréat, c'est lui. That he's the one who got the prize, the prize winner. Si on te dit va lui prêcher, tu as honte. If they tell you go and preach to him, you are ashamed. Alors que c'est toi qui es le vrai homme, c'est toi. Whereas you are the one who is the genuine, the true man. Pure, fort. Pure, strong. C'est toi. You are the one. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quand je travaillais, when I used to work, when I was still at civil service, j'avais une grande dame. Il y avait une grande dame selon le monde. There was a great woman, a great lady according to the world. C'est une famille de riches. It's the family of rich men. Tel directeur de la cire, tel directeur de ceci, elle-même était au-dessus de moi. Such person in the family was the head of this, another one head of this, and she herself was above me. Mais elle m'appréciait beaucoup. But she appreciated me. She appreciated un jour me a lot. Assise. One day she sat down. J'ai dit Seigneur. I said, Lord. C'est le jour où je gâte toute notre amitié. It is that day when I spoiled all our friendship. Parce que l'onction, je sentais l'onction sur moi. Because I felt the anointing on me. Et je savais que si je libère la bombe, c'est fini.
And I knew that if, l'estime qu'elle avait pour moi, ça sera ruiné. And I knew that if I release that bomb, the love that she had for me was finished. Et il dit, okay. I said okay. C'est déjà parti. It's already gone. Est-ce que tu crois en Dieu? Do you believe in God? Il dit, ah, qui peut ne pas croire en Dieu? She said, who can fail to believe in God? J'ai bombardé. I bombarded. La femme que je croyais haute. That woman that I believed I saw her. Elle est descendue comme un petit enfant. She came down like a little child. Elle s'est ouverte, elle m'a dit toute sa petite vie de souffrance. She dit, comment? Opened her heart and she told me all her little life of suffering. I said, what? Frère, nous sommes la lumière du monde. Brethren, we are the light of the world. Elle avait besoin d'un homme comme moi. She needed a man like me. Et moi, je voulais protéger. And me, I wanted to protect. L'estime. The esteem. Il dit, celle-ci, quand elle saura que je crois d'une façon radicale, ce que les autres appellent que nous sommes des sectes. I told myself, this woman, when she realized that I believe in a radical way, that which people call a sect. Ou des fanatiques. Fanatics. L'estime sera ruinée. That love will au be contraire. Ruined. On the contrary, je suis devenu grand. I became great. Il y a un modèle de vie. There's a lifestyle. Paul montre deux axes de modèle. And Paul shows two axes. Le premier axe, the first level, c'est l'enseignement que tu as reçu. Is the teaching that you receive. Ne doit pas changer. It must not change. Si tu buvais l'alcool, if you used to drink alcohol, tu marchais comme innocent. And you used to walk like brother la innocent. La parole qui t'a sorti de là, the word that took you out of there, tu ne dois pas oublier ça. You must never forget. Même s'il y a plusieurs personnes qui prêchent aussi, even if there are many other people who preach, tu dois savoir j'avais entendu tout ça. That I heard all these. Mais mon comportement a changé. But my behavior changed. Quand j'ai entendu telle doctrine. When I heard such or such doctrine. Il dit, il faut retenir le modèle des saintes écritures. Then he says, you must keep the model of the holy scriptures. Retiens le modèle. Keep the model. Et à l'époque, il y avait des gens qui troublaient. In time past, there were people who were troubling. Paul a parlé particulièrement de deux. Il y avait Philet et Hyménée. Paul talked about two of them, Philetus and Hyménaeus. Ils se promenaient. They were wondering. Et disaient aux gens que la résurrection est un phénomène spirituel. And telling people that resurrection is a spiritual phenomenon. Ça ne concerne pas le corps. That it doesn't concern the body. Et que de cette manière, and that in that way, Jésus est déjà revenu depuis. Jesus had already come back. Et la résurrection a déjà eu lieu. That resurrection has already happened. Ça c'était une attaque satanique même. That was a satanic attack. Parce que Paul dit ceci. Because Paul says this. S'il n'y a pas de résurrection, if there is no resurrection, donc nous sommes tous perdus. Therefore, we are all lost. Frère, nous sommes là pourquoi? Where are we here? Nous attendons l'avènement du Seigneur. We are expecting, we are waiting for tous, the advent of the Lord. Le travail à faire, nous faisons en attendant le Seigneur. The work to be done, we are doing it by waiting for the Lord. S'il y a des gens qui se promènent, if there are people who wander, pour dire que vous attendez quoi? C'est fini. To tell you that what are you waiting for? It's finished. C'était sur le diable même qui parlait. It's the devil himself who was speaking. C'est pour ça qu'il le dit. That's why he says. Retiens le modèle d'enseignement. Les choses qu'on t'a dites là, ne les oublie pas. Keep the model of teaching. People, things that you were told, do not forget them. N'oublie pas qui est Jésus. Do not forget who Jesus is. N'oublie pas ce que les prophètes ont dit de lui. Do not forget what the prophet says. N'oublie pas ce que les apôtres ont dit de lui. Do not forget what the apostles said about him. C'est pour cette raison qu'il est dit que nous avons été posés sur le fondement des apôtres et des prophètes. That's why it is said that we have been laid on the foundation of the apostles and the prophets.
qui avait placé le Seigneur dans le monde, dans l'évangile, comme la pierre angulaire. Who set the Lord Jesus in the world as the chief cornerstone. Que le salut, tout le salut repose sur Jésus de Nazareth. That he was the main stone, that all salvation was grounded on Jesus of Nazareth. Un vrai enfant de Dieu, a genuine child of God, ne peut pas espérer que les bouddhistes seront sauvés. Cannot hope that Buddhists will be saved. Et tous ceux qui suivent les prophètes. And all those who follow the prophets. Tu ne peux pas être chrétien et avoir peur de dire Jésus est le chemin, la vérité et la vie. You cannot be a Christian and to be afraid to say that Jesus is the way, the truth and the life. Il disait, j'ai livré Alexandre et Philette à Satan. And he said, I handed Alexander's and Philette's to Satan. Il a livré les deux faux, Hyménée et Philette. He handed over the two false men, Hyménaeus and Philetus. Deuxième axe. Second axe. De là, c'est toi-même. At this level, it is you yourself. Toi-même. You yourself. Ta conduite. Your conduct. Tes paroles. Your words. Ton enseignement. Your teaching. Tout ce que tu fais. All that you do. Fais-le comme donnant une direction, un modèle. You must do it as giving to the others a model, a direction. Reviens dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Come back into 1 Timothy chapter 4, verse 12. 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Let no one despise your youth. Mais sois un modèle pour les fidèles. Mais sois un modèle pour les fidèles. But be a model for an example for the believers. En parole. En parole. In word. En conduite. En conduite. In conduct. En charité. En charité. In love. En foi. En foi. In faith. En pureté. En pureté. In purity. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ne dis pas que tu es petit. Do not say that you are small. Ne regarde pas la barbe. Do not look at the beard. Ils ne connaissent rien. They know nothing. Sois leur modèle. Be the model. Que personne ne te méprise. Let no one despise you. Tu connais des choses qu'ils ne connaissent pas. You know things that they do not know. C'est moi-même qui t'ai bâti. I myself built you up. C'est-à-dire, on pouvait entendre comment l'apôtre parle à Timothée. We could hear how Apostle Paul was speaking to Timothy. Dans un fleuve de conseils. In a stream of advice. Que personne. Let no one. Ne méprise ton jeune âge. Despise your young age. Toi-même ne sois pas timide. You yourself not be timid. Paul sait que c'est un travail difficile. Paul knows that it is a difficult word. Il y a des experts dedans. There are experts in that work. Il y a des gens qui se sont consacrés à Satan pour troubler. There are people who devoted themselves to Satan to trouble. Ils sont conscients de ce qu'ils font, comme nous sommes conscients de ce que nous faisons. They are aware of what they are doing, as we also are aware of what we are doing. Fuis les passions. Flee the passions. Ce travail-là, that work, ne peut pas se faire par ceux qui sont encore des esclaves. Cannot be done by those who are still slaves. Dégage-toi de ce joug. Free yourself from that yoke. Et sois un modèle. And be a model. Donne la direction aux gens. Give the direction to people. Tu connais le chemin. You know the way. Conduis-les à Christ. Lead them to Christ. Bâtis-les. Build them up. Nous allons le voir. Il lui a même montré comment se comporter. We see it. He even showed him how to behave. Il lui a donné des conseils concernant les hommes. He gave
him advice which are relevant to men. Concernant les femmes. Concerning women. Les enfants. The children. Les vieux. The old men. En passant par les adultes. And also adults. Des conseils. Advice. Qu'il faut pour être un modèle. That are needed to become a model. Et comment bâtir les hommes. And how to build men up. Comment les contraindre à revêtir le caractère de Christ. How to compel them to put on the character of Christ. Tu ne peux pas gagner les gens étant dans les mêmes liens qu'eux. You cannot win people if you are in the same bonds like them. La jeunesse ne peut rien faire. The youth can do nothing. Si elle ne s'est pas dégagée des liens. If they did not free themselves from the bonds. Ça sera l'aveugle conduisant un aveugle. It will be a blind man leading a blind man. Il y a une manière de régler les problèmes selon la vision de Christ. There's a way of settling matters according to the vision of Christ. Recherchez la paix. Seek peace. Recherchez la justice. Seek righteousness. Demeurez dans l'amour et même la charité. Abide in love and even charity. Être de ceux qui procurent la paix. Be of those who are peacemakers. Et qu'on appelle les enfants de Dieu. And who are called the children of God. Fils de Dieu. Children, sons of God. Il y a des enfants de Dieu. There are children of God. Un petit problème, ils veulent divorcer. A small issue, they want to divorce. Et ils pensent qu'ils sont des modèles. And they think that they are models. Un petit problème, séparation. A small issue, separation. Chacun pense qu'il est intelligent, très fort. Each one thinks he's intelligent and very strong. Une querelle peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans. A quarrel can last for 2 years, 3 years, 4 years. Avec ça, with this, tu ne peux pas conquérir pour Christ. You cannot conquer for Christ. Tu peux gérer le quotidien. You can handle daily life. Tu tombes, tu te lèves, tu tombes, tu te lèves. You fall, you rise up. Mais conquérir. But conquering. Changer la vision des gens. Changing the vision of man. Être appelé fils de Dieu. Be called child of God. Parce que tu procures la paix. Because you are a peacemaker. Ça, il faut payer le prix. You must pay the price for this. Il faut payer le prix. You must pay the price for this. Éternel, je te rends grâce. Parce que ces deux axes que tu as soulevés, Seigneur, sont réalisables par moi. Merci parce que tu ne me demandes pas des choses qui ne sont pas à ma disposition. Je peux rester fidèle à l'enseignement que j'ai reçu et qui m'a transformé. C'est aussi possible, Seigneur, que je travaille pour être un modèle dans la sainteté, dans la charité, dans le prix à payer. Oh, pour le peuple sur lequel tu m'as établi, ces choses que tu me demandes sont possibles pour que je sois un influenceur saint. Je suis dans la joie, Seigneur, parce que je ne suis pas égaré. Je peux réussir. Et je prie, Seigneur, que tu me donnes la puissance, oh Dieu, pour réussir à ces deux niveaux, afin que ce que tu attends de moi soit pleinement atteint. Oh Seigneur, s'il te plaît,
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je te rends grâce. Je te bénis. Merci pour ces deux axes. Oh Père, pour me ramener, Seigneur, à toi. Merci. Merci pour cet enseignement qui m'a sorti du monde. Seigneur, qui m'a empêché, qui m'a permis de ne plus retourner dans le monde, de ne pas retourner éternel à l'ancienne vie qui m'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Merci, parce que cet enseignement, je peux le donner à beaucoup de personnes pour les sauver, pour les faire sortir du monde comme tu m'as sorti. Seigneur, merci pour le deuxième axe. Oh, d'être un homme qui apporte la paix, la joie, l'harmonie, éternel Dieu des armées. Merci, j'accepte ces paroles et j'accepte d'aller et de porter, d'influencer ma localité, l'encampement, les familles, pour les apporter la vie pour qu'ils soient transformés et qu'ils demeurent jusqu'à ce que tu reviennes au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Pour ces deux actes, Seigneur, que tu me donnes aujourd'hui. À travers ces deux actes, Père, tu me donnes le secret pour conquérir le monde. Tu me donnes la voie à suivre pour pouvoir conquérir le monde, Seigneur. Oh Père, je suis prêt à m'engager. Je suis prêt, Seigneur. Je suis prêt à conquérir mon entourage. Je suis prêt à conquérir ma famille. Je suis prêt à conquérir mon village, Seigneur. Je suis prêt, Seigneur, à imposer ton règne, à imposer, Seigneur, ta volonté partout où je me trouverai, Seigneur. Je bénis ton nom et te rends grâce de m'avoir béni, Seigneur, avec ta parole, d'avoir éclairé ma voie, d'avoir éclairé mon chemin. Oh Père, merci Seigneur, pour ce secret que tu me donnes aujourd'hui pour pouvoir conquérir le monde. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père et notre Dieu, je te suis infiniment reconnaissant et je te bénis pour ce message clair qui pénètre mon cœur. Je te bénis, notre Dieu. Oh Seigneur, tu m'as établi au-dessus de plusieurs et j'ai échoué. J'ai échoué lamentablement. Oh Seigneur, et par ta grande miséricorde, ce jour, à 3 heures, tu m'as parlé, Seigneur. Tu m'as rencontré dans ma maison au travers de ton serviteur, Watchmani. Oh Seigneur, et depuis ce jour, ma vie a changé. Seigneur, j'ai redéfini ma manière de marcher. Je redéfinis ce que c'est le monde pour m'engager à toi littéralement. Oh Seigneur, je refuse la lâcheté. J'ai crié à toi, tu m'as ramené où tu m'avais établi. Et j'ai prêché l'évangile. J'ai prêché l'évangile. Et j'ai gagné des âmes. Oh Seigneur, tu m'as béni en pourvoyant un modèle. Père, aujourd'hui, tu me dis, comme l'apôtre Paul l'a dit à Timothée, oh Seigneur, le message il est clair. Je dois pouvoir au modèle en m'asseyant sur l'enseignement que j'ai écouté, sur l'enseignement, oh Seigneur, qui fonde ma foi. Je m'y engage. Je m'y engage. Oh Seigneur, quand je retournerai sur la terre de mes ancêtres au Gabon, Père, je veux prêcher l'évangile. Je veux pouvoir au modèle. Oh, même dans mon administration, Seigneur, je veux pouvoir au modèle, je veux pouvoir au modèle, je veux pouvoir au modèle, je veux pouvoir au modèle. Oui, Seigneur, un modèle de pureté, de sainteté, d'engagement. Oh, Seigneur, je rachèterai le temps, je rachèterai le temps, je rachèterai le temps, je rachèterai le temps. Oh, pour déposer ces âmes à tes pieds, Jésus.
Oh, tu es le maître de la moisson. Oui, je reprends l'appel. Je reprends l'appel du maître. 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 Tu me connais pas mon nom. Tu m'appelles pas mon nom. Je reprends, Jésus. Je reprends. Je reprends. Je reprends. Et je te rends grâce de ce que tu m'as qualifié. Seigneur, tu m'envoies et tu m'équipes. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comparable à toi? Sois béni et exalté. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, sois béni, sois exalté, sois béni, sois exalté, sois béni, sois exalté. Oh, tu feras le chemin devant moi. J'emprunte ce chemin. Oh Seigneur, ce chemin resserré, ce chemin resserré. J'emprunte ce chemin et j'y demeure. Oh notre Dieu, mon espérance est dans ce chemin. Oh, j'exalte ta grandeur. Merci beaucoup. Que tu te l'honneur. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent. Ô notre Père, au nom de Jésus. Amen.